Donc, on va passer maintenant au deuxième panel, donc qui porte sur l'urbanisme et transport. Donc, je vais introduire ma collègue Jihen Rilloufi. Donc, Jihen est directrice de la gestion des informations urbaines à l'AUGT. Elle a plus de 20 ans d'expérience en matière de management des systèmes d'information, de planification urbaine et d'aménagement du territoire. Et elle a été chargée de la direction de l'assistance des collectivités locales et notamment du suivi des études d'élaboration et de révision des plans d'aménagement urbain des communes. Donc, Jihen, je te laisse modérer ce panel et à toi la parole. Merci. Merci beaucoup, Nesrine. Alors, merci beaucoup. Je suis contente de faire partie de l'équipe Ageos. J'essaie d'activer la vidéo, je ne sais pas. Oui. On ne voit pas la vidéo, mais peut-être le plus important, c'est le partage d'écran, Jihen. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord, super. Donc, comme je vous ai dit, je suis très contente donc de faire partie de l'équipe de l'AGEOS et de participer à cet événement à JISD. Je partage avec vous l'expérience de l'Agence d'urbanisme du Grand Tunis en matière de mise en place de systèmes d'information géographique, mais également on m'a confié la mission de modérer la séance qui, comme vous l'avez déjà dit, s'intéresse sur la thématique urbanisme et transport. Donc, je vais tout de suite partager avec vous donc l'écran. D'accord, donc je vais vous présenter aujourd'hui donc l'évolution du processus de mise en place des systèmes d'information géographique urbain dans l'Agence d'urbanisme du Grand Tunis. Donc pour ceci, donc le plan de l'exposé va. Oui? Bien, pardon, on ne voit pas ton écran, on ne voit pas les diapos. Ah, vous ne voyez pas les diapos? Non, il faut que tu les mettes en diaporama et tu repartages. Merci. D'accord. C'est bon? Par contre, il faut le mettre en diaporama. Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. Super. Donc, je vais tout d'abord présenter l'Agence d'urbanisme du Grand Tunis et le territoire de cette région. Ensuite, je vais passer sur l'historique de l'utilisation de l'observation spatiale à l'agence et l'utilisation actuelle de l'observation spatiale. Et je vais finir avec une conclusion des perspectives. Donc, l'agence a été créée donc en 1995 en remplacement avec du district de Tunis qui a été créé en 1972. C'est un établissement à caractère administratif, donc qui est sous la tutelle du ministère chargé de l'urbanisme, qui est actuellement le ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Infrastructure. Le périmètre d'intervention du Grand Tunis est bien sûr les quatre gouvernorats qui sont Tunis, El Hayna, Ben Arous et Manouba. L'agence a pour principale mission donc de réaliser des études qui sont relatives à l'aménagement urbain et l'assistance des collectivités locales dans ce domaine. Donc à cet effet, elle est chargée notamment de développer la fonction d'observation de l'expansion urbaine, et ce par la mise en place et l'exploitation des systèmes d'information.
Donc, l'agence favorise donc à cet effet le développement des systèmes d'information à référence spatiale qui permettent de suivre l'expansion urbaine et de mieux appréhender les phénomènes urbains dans cette région. Donc, elle apporte également un appui technique considérable aux collectivités locales en matière de planification urbaine et aussi de connaissance du territoire et de mise en place et de mise à disposition de données urbaines qui sont par essence multisectorielles. Il s'agit également d'une institution qui est appelée à promouvoir la mission de suivi de contrôle technique des études d'aménagement urbain et j'entends dire les études des plans d'aménagement. En outre, elle assure la réalisation de quelques études donc générales qui se rapportent au secteur de l'habitat, de l'équipement et des recherches appliquées. Elle introduit aussi des méthodes modernes qui sont relatives à la réalisation, au suivi et à la gestion dans le domaine de l'aménagement d'urbanisme. Elle est chargée également d'organiser des cycles et des séminaires de formation et de vulgarisation. Donc, une brève présentation du territoire du Grand Tunis, donc, qui se compose de quatre gouvernorats, qui s'étale sur une superficie d'environ 2254 000 hectares, soit 2% de la surface du pays. La région compte 38 communes, donc elle a été totalement communalisée depuis 2016. Donc, suite à la décentralisation, elle abrite plus de 2 644 000 habitants, donc soit le quart de la population nationale, avec une tâche urbaine qui s'étend sur environ 35 000 hectares en 2015, soit 12% de la surface du Grand Tunis. Elle est caractérisée donc la région par des zones qui sont à forte contrainte physique, donc à savoir des lacs et des cépras et des plans d'eau, donc soit 25 000 hectares, 10% de la surface du pays, du Grand Tunis. Donc, consciente de l'importance de l'information, donc qu'élément clé de la planification urbaine et territoriale, la UGT a décidé, depuis 1992 déjà, d'instaurer une banque de données urbaines et de mettre en place un système d'information géographique. Donc, elle a entrepris l'acquisition de moyens logiciels et matériels. Elle a aussi assuré la formation et la mise à niveau d'une équipe de travail qui constitue jusqu'à maintenant le noyau dur de la BDU. Elle a assuré la collecte et la numérisation des données urbaines. La mise en place de la banque de données urbaines s'est confrontée à plusieurs difficultés, à savoir l'absence d'un modèle de données, d'un serveur, d'un réseau informatique qui relie les différents utilisateurs. Donc, il y a eu un problème de redondance de données à l'époque. Ces données qui sont multisources, multidates, multi-échelles, complique davantage donc leur exploitation. Et le seul plan numérique qui était disponible était le fonds de plan numérique élaboré par l'Office de la topographie et du cadastre, qui était réalisé en 97-98 et qui n'est pas structuré en véritable base de données spatiale, qui a été diffusée en format natif, exigeant des outils spécifiques pour son utilisation. Donc, en 1999, la UGT a entrepris le projet de mise en place d'un observatoire de l'immobilier du foncier, donc qui a démarré à la demande de la Direction générale de l'habitat du ministère de l'Équipement. La réalisation donc a été confiée à l'agence avec l'assistance technique de l'atelier parisien d'urbanisme. Donc on a fait un travail de collecte, de traitement, mais aussi de modélisation cette fois-ci des données, et on a développé un outil informatique qui permettait de produire périodiquement des indicateurs et de consulter les résultats de l'OIF. Cette expérience de l'OIF donc a permis à l'agence et à la BDU d'organiser ses propres données et de concevoir donc un plan numérique qui répond aux critères d'un cycle et qui va servir soit tant pour l'OIF que pour les autres besoins de l'agence. Donc l'agence a mis au point à cet effet donc, un programme complet qui vise à accomplir la mission de suivi de l'évolution urbaine dans le cadre de l'Observatoire urbain régional du Grand Tunis. Et ce, par la conception et la mise en place d'un référentiel géographique pour le Grand Tunis, en collaboration toujours avec l'Atelier parisien d'urbanisme. Alors, le référentiel géographique du Grand Tunis qui a été réalisé entre 2004 et 2006, c'était un référentiel il s'agissait d'une base de données géographiques conçue par l'agence et dont les objectifs étaient principalement de construire donc une base structurée, unifiée pour l'ensemble des travaux et activités de l'agence, mais aussi de favoriser le partage de l'information entre les différents acteurs qui permettent à chaque utilisateur de pouvoir rattacher ses propres données. Donc, ça permet aussi d'unifier l'assise cartographique des différents producteurs et utilisateurs de l'information géographique urbaine.
L'URGGT avait deux grandes composantes. Donc, une composante structurée servant comme référence graphique et comportant les principaux éléments de localisation spatiale, à savoir les îlots, les axes de voirie, les limites administratives et communales, et un complément d'habillage qui se compose essentiellement de bâtis, de réseaux ferroviaires, de plans d'eau, d'équipements, etc. Voici un extrait du référentiel géographique du Grand Tunis, qui a été réalisé en 2005, précisément. Ce référentiel donc, était un produit qui a été initialisé avec les données structurées et collectées par les moyens propres et limités de l'agence, donc avec le recours à quelques conventions de partenariat d'échange de données, notamment avec la SONED, et des actions de mise à jour à travers l'acquisition d'images satellites de très haute résolution et l'introduction de nouveaux lotissements pour sa mise à jour. Donc, l'élaboration de ce référentiel nous a permis de structurer et de mettre en place différentes bases de données thématiques qui sont toujours à référence spatiale, qui couvrent plusieurs thèmes, tels que les plans d'aménagement urbain approuvés des communes du Grand Tunis, le découpage administratif et communal, les réseaux primaires, les différents réseaux primaires, électricité, gaz, eau potable, assainissement, les équipements socio-collectifs, les données socio-démographiques, mais aussi la production de quelques promoteurs urbains publics, tels que les agences foncières, la RU, la SNIT, la SPROLS, etc. Les lotissements, les réseaux de voirie et les réseaux de transport. Alors, voici un extrait de la base de données sur les équipements urbains dans le gouvernorat de Tunis. Vous voyez, dans ce gouvernorat, on a tous les équipements socio-collectifs qui sont classés par typologie, selon une légende qui a été conçue pour cette fin. Donc, voici aussi un extrait de la base de données des plans d'aménagement approuvés dans le Grand Tunis. Vous voyez ici la totalité des PAU du Grand Tunis qui sont approuvés, qui sont sur la même carte, avec une légende unifiée pour tous les PAU. Un extrait aussi de l'atlas du découpage administratif dans le Grand Tunis, donc avec des données sociodémographiques que vous voyez ici sur la carte. L'exploitation de ces diverses bases de données thématiques, ainsi que les images satellites, ont permis d'étudier et d'analyser différents aspects des phénomènes urbains et l'évolution de l'urbanisation dans la région capitale, donc, notamment la réalisation de bilans d'urbanisation. Et une étude sur les terrains non consommés dans le Grand Tunis qui sont à vocation d'habitat, qui n'ont pas été consommés. Aussi une étude sur l'habitat non réglementaire sous ses différentes formes, à l'intérieur des zones qui sont couvertes par des plans d'aménagement, mais aussi à l'extérieur de ces zones. Une étude aussi sur l'identification des quartiers périurbains, une analyse de la production des promoteurs publics urbains dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'analyse des données démographiques sur l'évolution de la population des ménages et des logements. Et aussi, on a réalisé la carte des servitudes dans la commune de l'Ariana et maintenant, on est en train de généraliser cette carte pour toutes les communes. On a aussi entrepris l'analyse de l'accessibilité des zones industrielles dans la région capitale, qui est en cours de réalisation. Voici l'évolution de l'urbanisation de 1957 jusqu'à 2015. Vous voyez donc la tâche urbaine qui a nettement évolué. Et donc au début, on se basait sur des fonds de cartes, des cartes topographiques. Et maintenant, on se base sur des images satellites et sur des outils de télédétection. Donc maintenant, je vais parler de l'expérience de l'Observatoire urbain régional du Grand Tunis. Il s'agit d'un nouveau projet qui a été mis en place depuis 2016 et qui constitue un organe d'appui et de conseil pour les décideurs en matière de développement urbain. Donc, il permet de mettre en place un diagnostic sur la situation des données, élaboration, suivi et évaluation des politiques urbaines. Donc, les principales missions, je ne vais pas m'attarder pour ne pas vous, parce que je pense que le temps va très vite. Donc, plusieurs missions à cet observatoire, c'est-à-dire la collecte, l'analyse, la production d'indicateurs, etc. Et bien sûr, l'aide à la décision. Donc, plusieurs catégories d'acteurs sont impliqués, d'opérateurs publics et privés, dans le champ urbain et socio-économique de la ville. Et ils sont à la fois sources et demandeurs d'informations et d'analyses urbaines. Ce tableau de bord couvre plusieurs domaines, donc les domaines socio-économiques, le domaine urbain, le domaine des équipements, le domaine naturel, le domaine infrastructure et le domaine prospectif. Donc, parmi les problèmes qui sont rencontrés pour la mise en place de cet observatoire,
C'est les difficultés de collecte et de mise à jour des données qui entravent le calcul des différents indicateurs du tableau de bord, et ce, malgré les tentatives de protocoles d'échange de données qui ont été signés. Donc, un autre projet qui est en cours, qu'on a entamé dans le cadre d'un projet de coopération décentralisée avec l'Institut d'aménagement d'urbanisme d'Île-de-France pour la mise en place d'une médiathèque et d'un géoportail pour la UGT. Donc, il s'agit de créer une plateforme numérique pour diffuser les données à dimension spatiale, et de capitaliser les données de l'agence et mettre à jour, permettre à tout acteur public et particulier d'accéder à ces données indépendamment de la plateforme utilisée, que ce soit ordinateur, donc un téléphone portable, une tablette, et ce via des services web et des métadonnées. Un projet qui est en cours aussi, c'est la mise en place d'une base de données sur les réseaux de voirie de transport dans le Grand Tunis, qui est conçue en tant que composante indispensable de la banque de données urbaine et qui sera au service des partenaires de l'agence, que ce soit le ministère de l'Équipement, les collectivités locales, le ministère de Transport, des experts et des universitaires, et qui veulent une vue d'ensemble sur l'offre de transport. Le présent projet s'intéresse à la modélisation et au développement d'une base de données à référence spatiale qui sera dédiée pour le réseau de voirie et le réseau de transport public en se basant sur, bien sûr, les systèmes d'information géographique. Elle constituera un support pour la planification urbaine et l'aménagement du territoire, du réseau routier, du transport public et un outil de suivi et d'évaluation des services de transport public. On a aussi un projet de conception et de développement d'un observatoire sur la mobilité durable. Donc, les bases de données géographiques qui existent au sein de l'agence ainsi que toutes les autres études urbaines, que ce soit les plans de circulation ou la politique nationale de la mobilité urbaine réalisée par le ministère de Transport et Mobilize Your City, constituent donc l'assise technique pour la conception et le développement d'un observatoire de mobilité durable régional donc sur le Grand Tunis. Cet observatoire va contribuer à réaliser des études de plan de déplacement urbain, de schéma directeur d'aménagement et tout autre projet de développement urbain qui nécessite des données sur la mobilité urbaine. Il permettra également de répondre aux attentes et besoins et pour mieux appréhender la mobilité au regard des impératifs, notamment du développement durable, à travers, bien sûr, la définition des indicateurs pertinents et quantifiables et mesurables de la mobilité durable, et leur suivi dans le temps et dans l'espace sur le territoire du Grand Tunis. Enfin, j'arrive au dernier projet, qui est le projet de création d'une plateforme de données environnementales et climatiques qui est en cours. Il s'agit de faire participer les villes du Grand Tunis donc à l'adaptation au changement climatique et les rendre résilients sur le long terme à travers, bien sûr, une planification et un aménagement urbain durable par le fait d'assurer l'observation urbaine, environnementale et climatique de cette région, de cerner son degré de vulnérabilité aux impacts du changement climatique, de l'élaboration des stratégies et des politiques urbaines d'adaptation et de leur mise en œuvre. Donc, c'est dans ce cadre que l'agence se propose de créer cette plateforme de données environnementales et climatiques qui va permettre donc de produire des connaissances descriptives qui permettent de traduire le degré de vulnérabilité de la région du Grand Tunis au changement climatique et de mettre en évidence les risques qu'elle comprend, et aussi de produire des connaissances actionnables qui permettent d'intégrer des outils et des mesures d'accompagnement de la planification et de l'aménagement urbain pour adapter les villes du Grand Tunis au changement climatique. Bien sûr, l'agence travaille en collaboration avec des institutions nationales et internationales. Je vais citer à l'échelle nationale et commune, elle a déjà des conventions de partenariat et d'échange de données avec l'Ariana et Sidercine et aussi en cours avec la municipalité du Crans. Les établissements publics, la SONET, DONAS, la STEG, etc., les agences foncières, les fournisseurs de données cartographiques de base tels que le CNCT et l'ETC, les bureaux d'études spécialisés en matière de systèmes d'information géographique et technologie spatiale, les universités qui proposent des formations en matière de géomatique et d'urbanisme, et les associations qui œuvrent dans le domaine des SIG, notamment à Géos. À l'échelle internationale, comme je vous ai parlé, il y a le projet de coopération sur le géoportail avec l'EORIF. Il y a le projet de coopération aussi sur les données environnementales et climatiques qui a été initié aussi avec l'Université de Toulouse et notamment le laboratoire interdisciplinaire Solidarité, Société, Territoire pour un sujet de thèse qui s'intitule Adapter les villes du sud au changement climatique, quels outils pour accompagner la planification et l'aménagement urbain, cas du Grand Tunis.
Pour conclure, donc, le processus de mise en place des sites urbains à la UGT donc, a été vraiment un processus de longue haleine. Il a déjà démarré, il est assez avancé. Donc, ce qu'on a gagné, c'est l'apprentissage et le savoir-faire qui a été acquis en matière de manipulation d'exploitation de SIG et d'analyse urbaine. Aussi, la mise en place d'un référentiel géographique unifié pour le Grand Tunis, on a tiré plusieurs leçons de ça, et des bases de données géographiques thématiques et de l'observatoire urbain. Aussi d'une plateforme matérielle et logicielle qui a été mise en place et les coopérations qui sont déjà engagées avec plusieurs acteurs urbains et des conventions de partenariat. Toutefois, malgré ces travaux engagés, il reste quand même un grand effort à entreprendre, notamment pour la fourniture d'un référentiel cartographique standard donc pour tous les opérateurs avec des échelles adaptées. Donc, je parle bien sûr du projet INIG dont Céline parlait tout à l'heure, donc en cours de réalisation avec le Centre national de la cartographie et de la télédétection. Aussi, l'aboutissement des projets engagés de mise en place de BDMU, des bases de données municipales urbaines, et des SIG métiers, donc les SIG eau potable, assainissement, foncier, etc. Le troisième point, c'est la formation du personnel. Il est important donc d'insister sur le volet perfectionnement et transfert de compétences et aussi échange d'expérience entre les établissements. Public et privé, et aussi la société civile. La réalisation des protocoles d'échange numérique des données est très importante entre les différents intervenants urbains, que ce soit communes, concessionnaires, agences foncières, afin d'instaurer des normes d'échange périodique de données. Donc, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour plus de questions. Merci, Jihel, pour cette présentation vraiment riche, riche en projets, en données. Et je suis très heureuse de t'avoir parmi nous aujourd'hui pour témoigner donc surtout des réussites, mais aussi des difficultés qui restent à surmonter donc pour la mise en place de façon durable du référentiel géographique en Tunisie et la finalisation des grands projets SIG tels que la BDM. Alors, il y a une question dans le chat. Est-ce que la plateforme de suivi de l'impact des changements climatiques se croise à celle de l'APAL? Non, non, c'est notre plateforme de données sur les changements climatiques, elle puise des données, donc des différents acteurs et intervenants urbains qui ont des données, disposent de données climatiques et environnementales. L'APAL est parmi nos partenaires. On a plusieurs autres partenaires, à savoir l'Institut, l'INM, National de Météorologie. On a aussi les ministères de l'Agriculture. Donc des données sur le sol, sur la morphologie du sol, etc. On a aussi des données sur les forêts forestières. On a des données du ministère de l'Équipement, plus précisément sur l'hydraulique urbaine. Donc sur les aussi on a des données sur les littorales, donc de l'APAL, etc. On a plusieurs partenaires pour cette plateforme climatique et environnementale. Mais parmi nos partenaires, il s'agit de l'APAL est parmi nos partenaires. Donc il n'y a pas de redondance, hein. Donc il s'agit d'une plateforme qui va réunir toutes les données en fait climatiques et environnementales sur le Grand Tunis. J'espère que ça a été clair, hein. Je sais pas si Très bien, JN, merci. Merci. Non, je pense qu'effectivement, la UGT, étant donné le milieu, donc l'urbain sur lequel vous travaillez, vous devez être l'organisme qui a le plus de collaboration et de partenaires autour des systèmes d'information géographique. Et donc, ça aussi, c'est un challenge en soi à relever dans votre travail quotidien. JN, on ne t'entend pas, je crois que tu parles, mais il y a un décalage.